C'est un honneur de devenir le premier dirigeant d'une entreprise privée à être nommé membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Malheureusement, ma présence ici aujourd'hui a donné lieu à toutes sortes de rumeurs selon lesquelles ma compagnie chercherait à produire une arme de destruction massive qui permettrait de cibler certains groupes ethniques en particulier. Si vous le permettez, je vais répondre à ces allégations sans détour. Sommes-nous en train d'élaborer une arme de ce type ? Non, en aucun cas. Le fait est que nous l'avons déjà mise au point. Je comprends tout à fait votre étonnement, mais sauf votre respect, cette institution a fait son temps. Certes, il fut une époque où l'ONU disposait des ressources nécessaires pour résoudre les conflits. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, plus maintenant. Principalement parce que c'est vous tous ici qui, depuis bien longtemps, m'avez délégué cette mission. J'ai envoyé de nombreux soldats mourir en votre nom. Sans doute suis-je la personne la plus qualifiée ici pour vous dire que vos guerres sont stériles. Aujourd'hui, mes priorités ont changé. Du business à la politique. Parce que les politiciens ne savent pas résoudre les problèmes. Et moi, j'ai la solution. Alors que ce soit bien clair, je suis venu ici pour offrir une solution aux problèmes du monde. Et j'ai l'intime conviction que les problèmes du monde commencent en ces lieux avec vous. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je sais pas ce qu'ils fabriquent, mais ça ressemblait à une déclaration de guerre. On a eu son arme de destruction. Sans Manticore, Atlas n'a pas la moindre chance. Cormac ! Faut que vous voyez ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? On a réussi à déchiffrer le code des transmissions. Qu'est-ce que je suis censé voir ? Des cibles potentielles. Irons a prévu un plan de secours au cas où Atlas serait acculé. Une frappe préventive. Il va tenter de nous écraser avant que le combat ait commencé. Une attaque directe sur les États-Unis ? Vous croyez qu'Irons en est capable ? C'est quoi le plan ? Atlas peut pas frapper partout en même temps. San Francisco. Toute la troisième flotte est dans la baie. Je vous envoie sur place. Tout de suite. Ennemi derrière les boosters en approche. Mitchell, active tes moteurs. Il faut qu'on passe par-dessus les voitures. Bien reçu, 0-1. Le périmètre de défense aérienne ennemie est à 1,5 km. Amiral, on est en prise avec de nombreux hommes d'Atlas sur le pont. Il faut pas laisser de façon s'approcher. Bien reçu, 2-1. On y est presque. Allez, on approche. Quelle est votre situation? Le trottin tue les morts. J'ai besoin d'un tir de couverture. Le fourgon nous a échappé. Bordel. Ennemi à droite. Ennemi à droite. Ennemi à droite. Ennemi à droite. Ennemi à droite.
C'est bon, je le vois. Ennemi. Coincé à 50 mètres. On va les aider. Sortez du fourgon, à terre. Couchez-vous. On a eu le conducteur. Vérifie le fourgon, Mitchell.